suis Yann Graff, éditeur chez Urban Comics et je suis commissaire de l'exposition Batman 80 ans voilà, au Festival international de la BD d'Angoulême à l'Alphar. Donc ouais, Batman est créé dans les années 30, fin des années 30 par deux auteurs qui ont une vingtaine d'années à l'époque et qui décident en fait de créer un personnage pour concurrencer ou en tout cas suivre les pas de Superman qui à l'époque cartonne au niveau des ventes. Et donc l'éditeur DC Comics leur demande de réitérer l'exploit et de trouver un personnage qui soit aussi intéressant. Et en fait, l'idée de Bob Kane et de son scénariste Bill Finger, c'est de reprendre le personnage de Superman et de faire l'inverse. Là où Superman est à visage découvert, Batman il a un masque. Là où Superman a des pouvoirs et est surpuissant, il est invincible au bal, Batman lui il est humain, il peut se faire blesser ou tuer. Et là où Superman porte des couleurs vives, Batman il a des couleurs sombres, bleues et noires. Ce qui est intéressant avec le personnage, c'est qu'au fur et à mesure de sa publication, qui est mensuelle depuis 1939 et qui se déroule encore aujourd'hui, c'est que le style graphique et le style narratif évoluent avec l'évolution de la société américaine. C'est-à-dire que vous avez en gros un Batman tous les 10 ans. De la même manière que vous avez voilà, du rock des années 60, du rock des années 70, du rock des années 80, quand on vous dit du rock des années 60, vous savez exactement à quoi ça fait référence. Vous avez un Batman des années 60, un Batman des années 70, un Batman des années 80. Là, ils ont encore trouvé des histoires inédites. On a récemment le White Knight, qui est un récit complet dans lequel le Joker est guéri et en fait devient le héros de Gotham, tandis que Batman devient le criminel, devient en gros le hors-la-loi pourchassé par les autorités. Donc oui, ils arrivent toujours à trouver D'ailleurs, c'est le but en fait de la publication mensuelle de comics, c'est de trouver des histoires constamment. Donc on fête les 80 ans, mais à mon avis, on fêtera les 100 ans, voire les 200 ans. Je ne serai pas là pour le voir, mais il y aura les 200 ans. Moi, ma théorie, c'est que Batman répond à une peur et un fantasme des enfants. C'est-à-dire que l'origine de Batman, ses parents sont tués dans une allée. Et en fait, il perd ses parents. Et il se recrée en fait dans sa cave, dans sa Batcave, tout un environnement qui est, en fait, on peut dire enfantin. Il a sa propre voiture, il met ses autocollants, en fait, il met son symbole un peu partout, surtout ses jouets. Et pour moi, c'est en gros le résultat de la peur et du fantasme de chaque enfant, c'est-à-dire perdre ses parents. C'est-à-dire c'est une tragédie et en même temps, on est complètement libre, on peut faire ce qu'on veut. Et je pense que c'est ce qui fait, en fait, qui fait que le public abonde depuis 80 ans. En fait, c'est quelque chose qui dépasse en fait, les modes. Alors pourquoi faire une exposition? C'est parce que c'était les 80 ans et on était parti sur une idée il y a quelques années avec Stéphane Beaujean, qui est le directeur artistique du festival, de faire une exposition qui était plutôt sur les villes de DC Comics et notamment les villes de Gotham City que défend Batman et les villes de Metropolis qui est Superman. Et cette exposition, on avait commencé à travailler dessus, on avait fait un boulot qui était assez intéressant, mais l'exposition ne s'est pas faite pour plusieurs raisons. Mais on avait travaillé sur l'idée que voilà, la description de la ville au cours des 75 ans, des 80 ans d'aventure évoluait en fonction de l'évolution de l'Amérique. Et on s'est dit que ça serait intéressant en fait, de placer cette idée sur un seul personnage. Et Batman s'y prête magnifiquement puisque vous pouvez prendre chaque élément du mythe et en fait chaque élément a évolué en parallèle de la société américaine. Et notamment par exemple Gotham City. C'est pour ça aussi qu'on est parti sur l'idée dans cette exposition que chaque pièce représente un lieu de la bande dessinée. Donc on a l'allée du crime, on a le manoir Wayne, on a la Batcave, on a les toits de Gotham, on a l'asile d'Arkham. Et tout ça est représenté voilà, dans une recréation des scènes avec des pages et des couvertures tirées des bandes dessinées.